Ça commençait mal. Je rattrapais une voiture dans un chemin boueux au milieu des bois. Pas de double voie pour le doubler. Oh, c'est sans doute un bûcheron. Il met le clignotant, c'est bien, même au milieu des bois. Enfin seul, malgré que le chemin soit défoncé par les sangliers. Jamais content. Au fait, là, je vais rejoindre les copains. À Balleret, car le départ se situe là-bas. Sortie Jacques. Enfin, j'arrive à Balleret, mais avant, il y a beaucoup d'eau à traverser et j'ai pas envie de me mouiller. Essayer déjà de pas tomber. Hop là. Première descente bien agréable. Passer de temps. Sacré tas de bois. Sacré mur. Hein. Et sacré couloir, non? Un moulin sur la Renèvre. Mais le mécanisme, il a l'air fonctionnel encore. Hein. Ouais. À coup de graisse, ça repart. Eh ben oui. La fontaine du Jet, une belle source qui se jette 200 mètres plus bas dans la Renèvre. Et la source de la Renèvre, où est-elle? Eh bien, justement, elle n'a pas de source à son nom. La Renèvre apparaît à Martangy, formé par deux affluents qui prennent leur source vers la borne des Cinq Seigneurs, le ruisseau de Mabou et le ruisseau de Ratilly. Et voilà pour la partie culturelle.
on a l'impression qu'il n'y a que des descentes. Ce coup-ci, là, c'est une côte. Et une sacrée côte. Et puis elle vient de Chine, c'est embêtant. Voilà, j'ai mis un peu de boîte. Ouais, je crois qu'on peut en mettre. Ça grimpe. Oh putain, il prend. Pas possible, c'est en pleine côte, hein. Demande. On va démarrer maintenant. Pas possible. Enfin, en haut de la côte. Et le béton de terre est toujours là, bien collé sur l'objectif de la caméra. Une halte à l'étang de Germenay pour déguster le gâteau à Maria. Et ce seront les dernières images car ensuite il pleut. Et les gouttes d'eau sur l'objectif de la caméra feront que les images ne seront pas regardables. Vélo, tout terrain.